Sinon, de Alice Bassier et Sylvain Diez aux éditions Kaléidoscope. Un jour, un loup entre dans la boulangerie de Madame Bonpain et hurle « Un éclair au chocolat, sinon... » Madame Bonpain, terrorisée, bafouille « Tenez, voilà, je vous le donne !» Le loup prend le gâteau et disparaît. Madame Bonpain ferme la boulangerie et traverse le village à toute vitesse. Elle entre dans la mercerie et demande à Madame Bonfil de la remplacer à la boulangerie. Elle ne lui parle pas du loup. Madame Bonfil s'installe dans la boulangerie. Le lendemain, le loup entre dans la boulangerie et il s'époumonne. Un éclair au chocolat, sinon... Madame Bonfil, tremblotante, lui remet l'éclair en bredouillant. Tenez, voilà, je vous le donne. Après le départ du loup, Madame Bonfil court jusqu'au salon de coiffure et demande à Madame Bontif de la remplacer à la boulangerie. Elle non plus ne parle pas du loup. Le lendemain, le loup entre dans la boulangerie et crie « Un éclair au chocolat, sinon !» Madame Bontif, secouée, lui donne ce qu'il demande sans dire un mot. Ensuite, elle ferme la boulangerie et court jusqu'à la caserne trouver Monsieur Garofeu, à qui elle demande de la remplacer à la boulangerie. Madame Bontif, elle, parle du loup. Le lendemain, le loup entre dans la boulangerie et hurle « Un éclair au chocolat, sinon ?»« Et sinon quoi ?» rétorque Monsieur Garofeu. « Sinon un éclair au café ?» répond le loup en sortant son porte-monnaie.